Bonjour, c'est l'Ozologue, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça va super aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Voilà, on est sur iPixel et tout simplement ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va faire du Skywars. Mais avant, j'ai quelque chose à vous dire de très important. J'ai décidé de créer une guilde, voilà, donc pour notre communauté, pour la chaîne, donc tout simplement une guilde iPixel que vous allez pouvoir rejoindre tous ceux qui seront donc sur la chaîne. Comment faire pour la rejoindre? Tout simplement, vous dites donc votre pseudonyme en commentaire et je vous inviterai. Donc, tâchez d'être connecté après avoir posté votre pseudo, puisque du coup, je vais vous inviter une fois que vous aurez mis votre pseudo dans les 5-10 minutes qui suivent, puisque je vais essayer d'être vraiment actif sur les commentaires, comme ça, je pourrai vous inviter. Donc, vous mettez juste votre petit pseudo en commentaire et je vous inviterai tout simplement. Et ce sera bien, du coup on va essayer de faire une grosse guilde, ça pourrait être drôle avec beaucoup de joueurs et tout, je pense qu'on a moyen quand même maintenant, vu l'ampleur qu'a prise notre communauté, il y a totalement moyen de faire une grosse guilde iPixel, donc ça pourrait être marrant, faire des parties genre avec plein d'abonnés, ça pourrait être vachement drôle, donc rejoindre des parties Skywars où limite il n'y aurait que des abonnés, ce serait vachement marrant à tester. Donc du coup je vous invite à join cette guilde et puis comme ça si jamais il y en a aussi qui veulent prendre des screens avec moi ou quoi, écoutez je serai disponible pour ça aussi. À des moments de la journée, quand je serai sur iPixel, tout simplement, ça pourrait s'avérer sympa. Donc, je vous laisse mettre votre pseudonyme en commentaire et puis je tâcherai de vous inviter. Voilà. Maintenant, du coup, cessons de blablater. On va se faire une ou deux games de Skywars tranquille et puis après, on se laissera là-dessus puisque j'avais juste surtout ça à vous dire, hein, tout simplement. Donc, du coup, on se retrouve une fois qu'on est en game. Et re les gens se retrouvent donc pour la première partie, voilà, avec un éclairage tout simplement sublime. Comme vous pouvez le constater, alors qu'est-ce que c'est que cette map? C'est une map bien sympathique. J'ai pris mon kit donc pour avoir une popo de force, c'est plutôt sympa. J'ai entendu quelqu'un se casser la gueule dans mon île, hein. Je dis ça, je dis rien, mais il y a peut-être quelqu'un au-dessus de nous. Dès qu'on va sortir, attention, bonjour monsieur. Non, il n'y a personne, ça va. On va aller voir à côté, qu'est-ce qui se passe. Oh, j'ai cru que t'étais un creeper chargé, toi, tu m'as fait peur pendant 2 secondes. Je me suis dit, non, il va pas nous faire le coup du creeper chargé qui va totalement me rayer de la carte. En un coup, non, ça va, il m'a pas fait ce troll-là. Il m'a pas fait l'honneur de me faire ça. J'ai un livre enchanté. Wow, c'est dingue ça. Je pourrais me faire une épée Sharpness 2. C'est génial. Hop, voilà. On a l'épée Sharpness 2, Michel. C'est vraiment génial. On va aller voir un petit peu qu'est-ce qui se passe plus loin. C'est génial. C'est trop calme là. C'est beaucoup trop calme pour que ce soit réel. Il y a bien quelque chose qui se passe quelque part. Il y a bien un combat quelque part. Il y a bien un gars qui va pas tarder à crever ou je ne sais quoi. Ah bah oui, en effet, il y a bien quelqu'un qui va pas tarder à crever. Adieu monsieur. Hop là, ça a été un plaisir de te rencontrer. Tu as dû bien t'amuser pendant cette partie. En plus, t'as pu t'enchanter. C'est vraiment génial. J'espère que ça t'a plu. Abonne-toi. Voilà, c'était mon message totalement constructif. Ouh là là, par contre, toi t'es qui? Non, j'ai pas payé pour ça. Moi, je suis pas venu pour souffrir. Ok. Oh, on va se calmer. Hop, alors, ce que tu vas faire, c'est que tu vas mourir, voilà, super. Ah, c'était ma popo de force. Oh, d'accord, j'ai confondu ma popo de force, en fait, avec une popo de healing, en fait. Du coup, j'étais vachement badass pour le tuer, sans le faire exprès, en plus. Du coup, c'est cool. C'est cool. Je sais pas quoi dire d'autre. du coup, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Parce que c'est pas qu'on s'ennuie un peu ici, mais voilà, quoi. J'ai un arc power 5, qu'est-ce que c'est que ce truc? Mais c'est carrément OP. Y a pas quelqu'un là pour tester l'arc? Non, c'est juste pour un truc, hein, t'inquiète, ça fait pas mal. C'est pour une expérience sociale. Ça. Oh bah voilà, attention, expérience sociale, est-ce que ça fait mal? Oui, ça fait plutôt mal. C'est bien, écoute. Laisse pose blow, Michel, parce que ça marche bien. Ouais, par contre, pourquoi tu régènes toi? C'est mort, hein. Enfin, tu es mort plutôt. En l'occurrence, hop. Bah ouais, voilà. Ça dégage, merci. Du coup, ouais, c'était une première game fort sympathique qu'on a réussi avec succès. Du coup, on se retrouve dans une prochaine game dans quelques secondes. Attention, magie du montage. Et re les gens, on se retrouve donc pour la seconde game. Voilà, je reprends le même kit parce que c'est vraiment génial. Je prends la double barre de vie et on a toujours notre éclairage si sublime. Voilà, nous allons donc tout simplement nous équiper d'un stuff de gros malade pour aller tuer comme des bourrins les gens. Hop, voilà, je prends pas le troisième coffre. Je m'en tape, j'ai juste des jambières, c'est pas grave. Bonjour monsieur avec le skin bizarre. Comment tu vas? Tu vas mal puisque tu t'apprêtes à mourir. Voilà, exactement. Hop, bonjour, toi tu es un Steve. Oula, un sacré skin de professionnel. Hop, voilà, adieu Steve, c'est dommage. Hein. Ça aurait été un honneur de te connaître. Tu aurais été le meilleur de tous les dresseurs. Non, par contre, peut-être pas. Hop, ça dégage encore une fois parce que j'adore faire dégager les gens. Hop, voilà, on prend ça.
On va aller voir qu'est-ce qui se passe. Ici, il y a quelqu'un, encore une fois, il y a souvent des gens. Vous remarquerez que c'est un petit peu le but du jeu en même temps. Mais il y a quand même beaucoup de gens dans ce jeu. Hop, tu pars très loin, adieu. Hop, voilà. On fait un grand, grand pont. Enfin, non, une tour. Hop, bonjour monsieur, comment tu vas? Tu ne vas pas très très bien en l'occurrence, puisque tu n'es plus trop en état de fonctionner. Hop, les deux dégagent. Qu'est-ce qui va bien pouvoir se passer maintenant? Il reste un joueur à tuer. Qui a l'air d'être un professionnel cubique. Ouh là là, il a le skin avec les cheveux rouges. Ça, c'est connu pour être un skin de professionnel, pas du tout pris sur Nova Skin. En première page, non, monsieur, tu es vraiment un professionnel du cube. Bravo à toi, tu veux peut-être une médaille pain au chocolat en bloc de terre? Non. Adieu. Bah écoute, c'est bien. Un beau fight, un beau combat, tout simplement, contre ce monsieur. Vu qu'on a fait des games quand même plutôt courtes, on va pas se le cacher, je vais peut-être en relancer 2-3. Ah, tout de suite. Et les gens, on se retrouve donc pour la troisième game. Voilà, c'est sublime. On se retrouve dans une partie magnifique qu'on peut bien voir là. Hein. Je sais même pas quelle map c'est, tellement l'éclairage est particulier, on va dire ça comme ça. On va prendre un petit peu le stuff. Cette fois-ci, on va totalement tout prendre. On va tout prendre dans les coffres. Hop, waouh. Un stuff de gros malade pour aller tuer du Jean-Kevin, puisque c'est bien connu. Nous sommes les meilleurs de toute cette planète. Nos prétentions, bien sûr. Et du coup, nous allons un petit peu voir qu'est-ce qui se passe là-bas. Wow, j'ai fait un saut d'une taille énorme. J'aurais pu crever, mais c'est pas grave, c'est drôle, puisque on est en Skywars. Et puis voilà, je sais pas quoi dire. Alors, bonjour monsieur, tu es. Oh, bah tu es quand même bien stuff. Alors, je sais pas si c'est moi qui lag ou si c'est lui qui était totalement idiot pour me taper alors que. Enfin, pour me taper là alors que j'étais là, mais c'était pas très malin de sa part. Bref, il avait pas de régène, c'est génial. Du coup, on se retrouve à 5 heures en plein milieu de la map, c'est génial, on adore. Hein. Hop, on va aller tuer monsieur Jean-Kevin avec notre popo de force, hein, c'est bien connu, la popo de force, c'est ce qui fait tout. Dans une partie. Ah ben on est en train de régénérer, c'est quand même bien, ça va nous permettre un petit peu de rehausser notre niveau. Bonjour à toi monsieur, hop, je me claque la potion. Wow, on va se calmer, on va gentiment se calmer. Hop, voilà, c'est bon, ça dégage. J'ai failli crever, on est d'accord. C'était pas très certain que j'allais survivre, mais bon, on l'a fait, donc c'est l'essentiel. Est-ce que t'avais une sharpness de non, même pas. Bon, bah écoute, c'est nul, hein. Tu n'as servi à rien. Oh, qu'est-ce qui se passe là-bas? Mais c'est monsieur le professionnel. Ah non, c'était un squelette. Oh, d'accord, je suis vraiment un professionnel de la vision, moi. Alors, est-ce qu'il y a d'autres gens à tuer, des amis cubiques ou quoi? J'ai pas vraiment l'impression. Oh, je vois un pseudo, une petite barre. One Punch Choco. Ouh là là, il est connu pour être un redversaire, oui. Un adversaire redoutable. Par contre, il a une popo de poison, ça fait un petit peu chier. Mais bon, ça dégage. Hop, non, ne te raccroche pas à ça. Et il disparaît, c'est magique. Hop. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire maintenant? Parce que je ne vois pas trop ce qu'on va pouvoir faire. Oh, vous le voyez. Il est très malin, il est caché sur son île. Une stratégie de dingue. Hop. Allez, dégage, dégage. Oui, oh, bah non, c'est pas moi qui l'ai eu. Ah, c'est pas cool. C'est toi qui m'as volé le kill là. Oh, il a fait une muraille. Oh là là, le professionnel. On a affaire à un professionnel, mesdames et messieurs. Notre survie n'est pas assurée. Très clairement. Ouh là 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 là. Derriez Gotha. Non, Doris Gotha, comment je lis les pseudos? Doris Gotha, tu vas tout simplement disparaître. Voilà, j'ai le regret de te l'annoncer, mais tu disparais de cette map. Adieu Doris Gotha, c'est triste. Nous nous retrouvons donc après cela dans une nouvelle partie, puisque c'est cool, j'aime bien en fait. À tout de suite. On va créer la guilde quand même, parce que ce serait un petit peu bête si j'invitais des gens alors que j'ai pas encore fait la guilde. On va faire un peu ça vite fait. Hop, j'ai create, c'est comment qu'on fait, c'est comme ça. Team Luck, voilà, un nom très original. Paf. Voilà, bah du coup, venez, hein, SVP, sinon je vais me sentir très très seul. Hein. Mettez votre pseudo en commentaire parce que sinon j'aurais vraiment l'impression d'être seul. Et on peut changer le nom, hein, je vous rassure. Parce que sinon, Team Luck, pour toujours. Voilà quoi. Et re les gens, on se retrouve donc pour la quatrième partie, voilà. On prend le kit Energix puisque j'ai rien d'autre, enfin si j'ai tous les autres kits, mais on va dire que j'ai rien d'autre pour faire genre Monsieur Pauvre offrez-moi des kits, c'est vraiment génial. Comme ça j'en aurai plein, même si on peut pas en donner, c'est pas grave. Vous trouverez bien un moyen. Hop, on se ramène. Bonjour monsieur, je m'équipe de la speed, j'ai failli crever, c'est génial. Est-ce que tu es là-dedans? Maintenant tu n'es pas là-dedans, mais alors où es-tu passé monsieur? Tu es vraiment quelqu'un de très très malin. Trop stratégique pour moi. Hop, voilà, tu es là, je t'ai trouvé, même si je suis quasi sûr que c'est pas toi. Qu'est-ce que j'ai cru que j'allais lui donner la chance d'arriver sur l'île d'à côté sans faire de pont, ce qui aurait été assez vilain, puisque j'aurais été plutôt pas mal dans la merde, on va pas se le cacher.
Mais ça va, on s'en tire plutôt bien. Je vois des pseudos là-bas, je vois un petit combat. On va venir faire nos gentils. Hop, voilà, c'était un combat très compliqué. Qui es-tu? Ouais, alors ce que je te propose de faire, c'est que tu vas dégager. Voilà, je vais prendre ma pomme d'or, hein, très très vite. On va s'échapper de monsieur. Non, 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 c'est mort. J'ai une canne à pêche en plus. Donc, non, c'est mort. Hop, voilà. On s'équipe vite fait. Voilà, génial. Hop, on remange un petit peu de pomme d'or parce que c'est trop trop bon la pomme d'or. J'ai claqué ma strength pour rien probablement. Mais c'est pas grave, on va essayer de te tuer monsieur. Oui, j'ai gagné, voilà. Un match très très compliqué, une partie très très compliquée. Du coup, bah ouais, j'ai pas grand chose d'autre à vous dire. On va se retrouver dans le lobby dans quelques secondes. Voilà, c'est magnifique, on a notre paresseux Pedro. Pas au vrai, Pedro, qu'est-ce que t'en penses de cette vidéo? C'était génial, hein, les gens doivent mettre un like. Voilà, c'est Pedro qui l'a dit, c'est pas moi. Hein, vraiment, vous avez entendu son intonation de toute façon. Bref, que dire d'autre? Bah, pas grand-chose en fait, si ce n'est que rejoignez la guilde, mettez votre pseudo en commentaire. Voilà, je le spamme beaucoup, hein, vous avez remarqué, mais c'est drôle en fait, du coup je le dis plein de fois. Bref, du coup, ouais, abonnez-vous, c'est sympa, hein, j'ai pas grand-chose d'autre à vous dire là-dessus. Partagez la vidéo sur Twitter parce que comme ça je vous retweet et vous aurez l'air d'un homme surdynamique. Un surhomme, vraiment, en ayant été retweeté par un youtubeur tout de même, plutôt très très populaire. Non, je déconne. Bref, du coup, ouais, partagez la vidéo, c'est ce qui fait avancer le plus la chaîne. Et puis voilà, hein, j'ai pas grand chose d'autre à vous dire. Si ce n'est que portez-vous bien, les gens, passez une bonne soirée, une bonne journée ou une bonne nuit. C'était Léo, ciao ciao, et rejoignez la guilde, bordel de merde. Mettez votre pseudo en commentaire, ça fait 30 milliards de fois que je le dis, j'espère que ça va porter ses fruits tout de même. Allez, ciao.